On a l'impression qu'on a vraiment une bande de tocards, quoi. C'est-à-dire que c'est les pieds nickelés. Ça fait 7 ans qu'on dépense de l'argent sans compter, mal, et sans compter, sans savoir compter. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on dépense, on ne sait même pas où il va. Il y avait cet excellent dossier sur les 100 milliards qui avaient été dépensés en 9 mois par le gouvernement. Et quand on lit au jour le jour la façon dont ils découvrent les chiffres, on a l'impression qu'on a vraiment une bande de tocards, quoi. C'est-à-dire que c'est les pieds nickelés. Donc là, comment peut-on critiquer aujourd'hui un budget? On peut dire il n'est pas parfait, on peut critiquer certaines mesures. Est-ce qu'il va briser l'élan de la croissance? Mais je sais pas, on se fout de la gueule de qui? Il n'y a pas de croissance. Il faut peut-être sacrifier une partie de la croissance à court terme, évidemment, qui est alimentée, évidemment, par des aides totalement nulles qui ne servent à rien, de l'argent qu'on met dans le carburant, qui est brûlé aussi vite qu'il est dépensé, pour essayer de créer un projet sur le moyen terme. Pour l'instant, on n'y est pas. Aujourd'hui, il y a une brèche, on est en train de couler. Il faut colmater la brèche. Pour colmater la brèche, il faut dire à tout le monde, la situation est grave, et tout le monde doit mettre la main à la poche. Moi, la French Tech, les ETI, les entreprises, les grandes entreprises.